Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo sur laquelle on va voir ou bien on va travailler ensemble pour avoir la manière dont on peut procurer le fichier d'installation de PrestaShop et le mettre sur notre site web. Tout simplement, ou bien dans un premier temps, vous allez sur prestashop.com/fr pour avoir la version française du site et après vous cliquez sur Créer ma boutique, tout simplement. Donc ainsi, vous serez redirigé vers cette page. Donc, je vous invite à sélectionner agence web ou bien freelance. Donc, ça, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre votre adresse email et aussi vous sélectionnez la politique et les conditions d'utilisation et vous validez par OK. Donc, ainsi, si vous êtes en train d'utiliser Google Chrome, tout en bas à gauche, vous verrez votre fichier en train de se télécharger. Et je profite en même temps pour vous présenter donc PrestaShop. Donc PrestaShop, c'est une application web open source permettant de créer une boutique en ligne dans le but de réaliser du commerce électronique. Donc ça nécessite un serveur infogéré, bien sûr. Donc pour utiliser cette solution, et aussi ça nécessite d'avoir un peu de connaissances informatiques, etc. Donc, pour utiliser ce CMS. Donc, on va continuer. Donc, comme vous voyez, donc le fichier a été téléchargé. Je vous invite à l'ouvrir, bien sûr. Comme ça, donc le répertoire, ou bien il est ouvert en mode répertoire compressé. Donc, pour le décompresser, il suffit seulement que je vous invite à créer un nouveau répertoire comme mon cas actuel. Donc, je vais le mettre, le nommer test, bien sûr. Et après, on va utiliser la technique sous Windows de glisser-déplacer. Donc, tout simplement, vous ouvrez le nouveau répertoire, vous sélectionnez les fichiers. Donc, les trois fichiers, il faut les sélectionner à la fois. Et après, vous maintenez le clic gauche. Et vous faites un glisser-déplacer et vous lâchez. Donc comme ça, la décompression ou bien l'extraction se fait sur le nouveau répertoire. Et c'est fait. Maintenant, je vous invite à lancer FileZilla. Donc c'est le client FTP qu'on va utiliser pour faire un transfert de fichiers. Donc si vous n'avez pas encore créé votre serveur. Donc, on va faire une petite vérification. Donc, le host, c'est l'adresse de votre serveur FTP. Le port, c'est 21 par défaut. Donc, ici, mieux de laisser cette option. Donc, si une connexion disponible sécurisée qu'il utilise, sinon, il peut passer par la connexion traditionnelle. Donc, le type d'authentification, c'est normal. L'identifiant de connexion, c'est vous utilisez les informations que vous avez reçues, bien sûr, de votre hébergeur. Et le mot de passe, vous pouvez choisir le fond de votre connexion. Donc, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et après, vous cliquez sur connexion, tout simplement. Comme vous voyez, donc le statut de connexion, le certificat, il faut l'accepter. Et voilà, donc le site distant et le fichier qu'on a reçu. Donc, comme vous voyez, nous sommes pointés sur notre serveur. Donc, je vais vérifier avant de faire le transfert. Donc, mon cas, c'est slash test. Donc, je vais le mettre. C'est sur ce répertoire-là qu'on est en train de travailler. Donc, comme vous voyez, c'est index off. Ça veut dire qu'il n'y a pas un fichier index et il n'y a pas de fichier carrément. Donc, mon site ou bien le répertoire à distance est vide. Donc maintenant, je vais me connecter là-dessus. Je vais essayer de faire le transfert. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc le répertoire, c'est sur mon bureau. Je viens de me connecter là-dessus. Je suis pointé sur le répertoire. On peut utiliser la même technique, c'est que laisser déplacer. Et comme vous voyez, donc on a la file d'attente, transfert échoué et transfert réussi. Normalement après,
après la manipulation de transfert. Donc vous aurez, si tout passe bien, vous aurez transfert réussi et les fichiers en attente et échoué, vous aurez zéro. Donc on voit le message m'indique que le transfert a été un succès et je vais vérifier. Donc après actualisation, l'installation de PrestaShop se lance. Donc comme ça, nous avons bien mis les fichiers sur notre serveur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une configuration de PrestaShop.